חבר, שם ישבנו גם בחינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שלונו שובנו דברי שיר ותול עלינו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחל. Birchut Mera Verabotai, avec l'apparition de Hachem, comme chaque mercredi soir, on se réunit autour du petit écran pour écouter un petit cours de Torah. Bon, ce soir, je suis. Ce cours-là que vous voyez, il est enregistré, parce que je me trouve en ce moment-là à Los Angeles pour la semaine. Et si Dieu veut, Bé'ezrat Hashem, à la semaine prochaine. C'était paracha de cette semaine, c'est la première paracha de Bamidbar. Bamidbar, c'est le désert. Vous savez très bien que chaque semaine, toute l'année, elle est divisée en chaque semaine, elle a sa paracha, qu'on lit dans la Torah. Vous avez vu tout ce Sefer Torah, chaque Shabbat on fait sortir un Sefer Torah, et chaque Shabbat, il y a un parchemin des cinq livres de la loi, des cinq livres de la Torah. C'est Ezra HaSofer, c'est un grand tzaddik, un prophète, qui a divisé la Torah pour toutes les Shabbatot de toute l'année. Donc à chaque Shabbat, il y a des leçons à apprendre, des lois que je vous ai données, parfois il y a des histoires, enfin, vous savez très bien que souvent je dis que si la Torah, elle nous parle beaucoup des histoires de la Torah, des histoires d'Abraham, Isaac, Yaakov, parce que c'est des histoires qu'on apprend comment vivre. Lorsqu'on parle d'Abraham, lorsqu'on parle d'Isaac, lorsqu'on parle de Yaakov, Avinu, lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, lorsqu'on parle du veau d'or, lorsqu'on parle de la création du monde, lorsqu'on parle de Noah et le déluge, on parle de la sortie de l'Égypte, l'esclavage en Égypte, Matan Torah, on parle de Korah, on parle de toutes les histoires de la Torah. Toutes ces histoires de la Torah, c'est pour nous apprendre quelque chose, parce que très bien, il faut savoir bien que les lois de la Torah, elles sont très dures, elles sont très très dures. Mais lorsqu'on apprend, lorsqu'on lit comment Moshe Rabbeinu se comportait avec Hachem, lorsqu'on lit comment Avraham Abinu se comportait avec Hachem, lorsqu'on lit comment Yitzhak Abinu s'est sacrifié pour HaKadosh Baruch Hu, alors on dit, si nos aïeuls, si nos parents ils ont fait cela, la plus forte raison que nous aussi on peut faire ça. Tant que des histoires de la Torah, on apprend à aimer Dieu. On voit comment nos parents ont aimé Dieu, comment nos parents ont servi Dieu. Alors si on se dit, si eux ils ont réussi à aimer Dieu, à leur époque c'était très, très dur, avec beaucoup de difficultés, alors nous on peut aussi le faire. Nous, ça veut dire quelque part, pour respecter les lois d'un roi, il faut connaître le roi. Il faut connaître le roi. Comment on peut expliquer les lois d'un roi si on ne connaît pas le roi? Il faut connaître le roi. Imaginez-vous qu'il y a un roi qui vient, je ne sais pas, du Japon, il vient en France, et il nous dit c'est à sa loi. Qui va l'écouter? On ne le connaît pas. Par contre, Sarkozy, tout le monde le connaît. Sarkozy, tout le monde le connaît. Imaginez-vous qu'il est ici la semaine prochaine, et il y a ici le président de la Chine. Il nous donne ses lois. Les lois de la Chine, il nous les impose ici. Qui va l'écouter? On va même rigoler.
Ou bien, imaginez-vous que Sarkozy va en Chine et là-bas il va imposer les lois qu'il y a ici en France. Parce qu'on va l'écouter, personne ne le connaît. Mais ici, tout le monde le connaît. Ici, ces lois, on est obligé de les appliquer parce qu'on le connaît. Et surtout, si on l'aime, alors on va bien les faire. C'est comme ça. Donc, à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on lit les histoires de nos parents, comment ils se comportaient avec Kadosh Baruch Hu, alors, à travers ces histoires-là, on commence à connaître qui est le roi, qui est Dieu. Et lorsqu'on connaît qui est Dieu à travers nos parents, à travers comment nos parents ont servi le bon Dieu, alors, automatiquement, on applique ces lois. Alors maintenant, la parasha de cette semaine, elle parle de la parasha de Bamidbar. Cette parasha-là, elle traite, lorsqu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas calculer, tu vas compter combien de juifs il y a. Voilà. Et la Torah ici, c'est une longue parasha. Et d'ailleurs, cette parasha-là, elle est juste deux semaines avant la fête de Shavuot. Et d'ailleurs, dans ces deux parashiot, la parasha de Bamidbar et la parasha de Nassau, ces deux parashiot qui précèdent la fête de Shavuot, elles parlent beaucoup des calculs, les calculs que Akash Boro dit à Moshe Rabbeinu, tu vas compter combien il y a dans la tribu de Rouben, combien des Juifs il y a dans la tribu de Shimon, de Lévi, de Yehuda, de Issachar, de Zvoulon, et Lévi, bien sûr, ils étaient comptés seuls, pas comme tout le monde, ils ont été calculés dans la parasha du Shabbat prochain, la parasha de Nassau, et aussi ils ont été calculés, comptés par leur famille, parce que chaque famille, combien ils étaient, à partir de quel âge ils ont été comptés, et ici, dans ces parashiot-là, on n'a pas calculé les femmes. Les femmes et les enfants, ils ne sont pas calculés, on a uniquement calculé les enfants qui sont, à partir de l'âge de 20 ans. Alors ça veut dire que vers la fin, on va trouver qu'il y a à peu près 600 000 poussières, 600 000 personnes et des poussières, je dis le mot des poussières, à Jushalom, il n'y a pas de poussière, mais alors imaginez combien d'enfants il y avait, imaginez combien des vieux il y avait, combien des femmes il y avait, combien des filles il y avait, bon, on ne sait pas, ils étaient quelques millions peut-être, vous imaginez quelques millions de personnes dans le désert, dans les tentes, aïe aïe aïe, il fallait leur donner à manger chaque jour, matin, midi et soir. Et tout ça, c'est Hachem. Hachem, il leur a donné à manger matin, midi et soir. Aïe, 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 Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois, on s'inquiète. Comment on va vivre? Comment on va vivre demain? Vous voyez, on était des millions de fourmis, des millions d'insectes. Est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils vont manger? Chacun il a sa parnassa, chacun il a son repas. Les uns mangent les autres, et c'est comme ça, chacun il pense, chacun il mange. Bon, nous, on ne mange pas chacun. Et à Kadosh Baruch Hu, comme que eux, à Kadosh Baruch Hu, il a créé la nature chez eux, chez les animaux, que l'un mange l'autre, et c'est comme ça qu'ils vivent. Nous aussi, à Kadosh Baruch Hu nous a donné une façon comment vivre. C'est pas chacun va manger l'autre, mais Kadosh Baruch Hu, il nous a donné des méthodes. C'est pour ça, c'est ça la Torah. Fait Asher Asebayim Adam Vehay. C'est-à-dire, voilà les choses qu'il faut faire, tu vivras. C'est extraordinaire. On dit la prière le matin, Livne Arve Vashikao. Kadosh Baruch Hu, il écoute même la prière des corbeaux. Les corbeaux. Parce que le corbeau, lorsqu'il vient de naître, sa mère, elle l'abandonne. Et pendant ce temps qu'il est abandonné, il a faim. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui apporte à manger. Il lui en va. Il y a des vers qui sortent de la coquille d'où il est sorti. Lorsque le petit poussin corbeau sort de sa coquille, elle pourrit, il y a des vers qui sortent là-bas, et c'est avec ça qu'il se nourrit le petit corbeau là. Jusqu'à que, autre temps que sa mère, elle retourne, et vient le récupérer. Et c'est comme ça. Quand je vois au coup, il pense à tout le monde. Beaucoup de fois, je vois, on était, je sais pas, je suis au Maroc, ou en Israël, ou en France, dans la campagne, je vois par exemple des milliers d'insectes, des milliards d'insectes,
des fourmis qui font des autoroutes, les fourmis, et tous ils sortent, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Qu'est-ce qu'ils ont à manger? Yeah! Et que je vois où il leur donne, t'inquiète pas. J'aime, il sait. Une fois, je raconte une histoire. Une fois, j'étais à la maison, c'était un vendredi. Et j'ai vu c'était en plein hiver. J'ai vu une fourmi. Chez moi à la maison. En plein hiver, il faisait froid, il neigeait dehors. Et je me suis posé la question, d'où est sortie cette fourmi? Ça m'a fait drôle, d'où elle est sortie cette fourmi? Je comprends, en été, elle est là. Mais en hiver, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, même si elle s'est perdue chez moi, ben, elle ne va pas se perdre pendant 6 mois, depuis l'été jusqu'à le mois de janvier chez moi, c'est quoi? Où elle s'est perdue? Donc elle a dû se cacher quelque part, c'est quoi ça? Où elle s'est cachée? Bon, j'ai commencé à la suivre, j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'elle va devenir, peut-être où elle va retourner à sa place. Et mon secrétaire qui était là, il voyait que je l'inquiétais, voulait la tuer. Je lui dis, non, ne la tue pas. Je veux voir, qu'est-ce qu'elle fait? Je veux voir où elle va aller, d'où elle est sortie. Pendant 2 heures. 2 heures de patience, en train de suivre la fourmi. Et finalement, j'ai vu la fourmi qui se dirige vers la cave. Elle va vers la cave, et hop, elle descend. Elle descend, vous savez, la fourmi, elle descend. Parce que lorsqu'elle ne connaît pas l'endroit, elle ne récupère pas où elle va. Elle va, elle descend, elle remonte, elle descend, elle remonte. Moi, j'ai pris ma patience avec elle, le secrétaire qui me regarde, qui rigole, qui voit Rabbi David en train de suivre une fourmi. C'est beau, hein? Il a dû croire que je n'étais pas normal dans ma tête. Mais moi, je suis normal. Moi, j'aime apprendre. J'aime apprendre. Je n'ai pas fait des études à l'école de scientifique. Je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul avec mes livres d'autorat. J'apprends à être. Je vais tout apprendre. J'apprends tout grâce à Dieu. Je sais grâce à Dieu, grâce à la Torah, grâce à l'étude. Et je fais moi-même mes propres expériences. Sans laboratoire, sans rien du tout. Avec la Chokhma, avec la sagesse. Avec l'aide de la Torah. Et je découvre plus vite que les autres, grâce à Dieu. Et voilà, Rabotai, je vois la fourmi, elle descend. Et après. Elle descend encore un escalier, et hop, je vois qu'elle descend à la 4e escalier ou au 5e, et je vois qu'elle se fait piéger dans l'étoile d'araignée. Et je vois une araignée qui sort, et hop, elle attrape. Elle entoure, elle la prend vers elle. Et je commence à réfléchir. Tu vois, David, à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'il y a une araignée dans la cave. Et cette araignée dans la cave, il faut qu'elle mange. Et qu'est-ce qu'elle va manger en hiver? Et en hiver, il n'y a pas de ver. Et en hiver, il n'y a pas de fourmis. Il n'y a pas d'insectes. Il n'y a rien. Quoi, elle va crever? Alors qu'est-ce qu'il y avait quand je vois au cou? Il a fait qu'il y avait chez moi à la maison une fourmi qu'elle a pris son Shabbat. Elle a voulu passer un bon week-end chez moi, un week-end de quelques mois, chez moi à la maison. Et au moment voulu, le moment que cette fourmi-là, cette araignée-là, c'est l'heure qu'elle doit manger, c'est son jour, il est venu, quand je a fait que la fourmi sort de sa cachette, elle se dirige vers où? Vers là où Hachem lui dit de se diriger. C'est pas elle qu'elle a choisi la direction qu'elle devait prendre, parce que si elle devait choisir, elle va être choisie dehors, ou elle reste à sa place, sans bouger, passer bien son hiver là-bas. Non. 100 jours, elle est venue. Et voilà, elle a fait tout un chemin, sans savoir, parce qu'il fallait qu'elle reçoive ses ondes de HaKadosh Baruch Hu du ciel, ça prend du temps. Donc ça a pris 2 heures, 3 heures, jusqu'à qu'elle est arrivée vers l'escalier. Elle remonte, elle descend, elle remonte, elle descend, jusqu'à qu'elle descend, finalement, et l'araignée, elle vient, elle l'attrape, elle la mange. Alors, si HaKadosh Baruch Hu pense à l'araignée, si HaKadosh Baruch Hu pense quoi, de quoi faire vivre l'araignée pendant la période de l'hiver, alors bien sûr que HaKadosh Baruch Hu va penser à moi, HaKadosh Baruch Hu va penser à l'être humain que pour lui, le monde a été créé, et les araignées aussi, ils ont été créés pour servir l'être humain.
Donc tout dépend de l'émouna et du bitachon de l'homme vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Donc à Botaï, les juifs qui étaient dans le désert, quelques millions de juifs, comment ils ont pu vivre 40 ans dans le désert, dans le soleil, dans le froid? Il n'y avait ni... C'est impossible, c'est pas possible, ils n'avaient pas... Le désert, il n'est pas traité pour habiter dedans. C'est pas... On ne peut pas habiter dans un désert. Et pourtant, ils ont habité là-bas pendant 40 ans. Et qui a fait qu'ils ont pu vivre et exister 40 ans, et de là-bas, ils sont entrés en Terre Sainte? HaKadosh Baruch Hu. Donc, HaKadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Donc, ça, c'est pour cela que la Torah nous parle du Midbar, dans le désert. Les Juifs ont reçu l'ordre de rester, de traverser le désert pour montrer au monde entier que Hachem, il est capable de faire vivre une nation sans rien dans le désert. Et même que ce n'est pas possible, que je ne peux rendre possible. Le manger descendait du ciel, les vêtements qu'ils étaient sur eux, ils n'ont pas pourri, ils n'avaient pas besoin de se laver parce que le Talmud dit qu'il y avait un vent qui venait et qui les lavait. Il y avait un vent qui venait et qui repassait leurs vêtements sur eux. Ils sentaient bon, ils ne transpiraient pas. Et, vous allez me dire, c'est pas possible tout ça. Eh bien, si vous ne pouvez pas croire, ne croyez pas. Ne croyez pas. C'est votre problème. Alors, et cette histoire de l'araignée et la fourmi, c'est quoi? C'est du bidon, ça aussi. Oui, ça aussi, c'est du bidon. Non. Il y a ce qu'on appelle la providence divine. Quand je vois au fond, il sait ce qu'il fait. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui se fait sans rien. Il y a toujours, il faut savoir que, il y a un créateur, il y a celui qui croit, il ne peut que gagner. Qu'est-ce qu'on perd de ne pas croire? Tenir tête, non, je ne crois pas. Oui, prouve-moi. Et alors? Et si j'arrive pas à te prouver? Et si j'arrive pas à te prouver? Alors que tu vas devenir? Ben, tu vas rester hamac, tu vas rester bête, tu vas dire, ben, je ne crois pas, tu ne crois pas. Donc, tu as un problème. Eh ben, il n'y a personne qui peut te résoudre, eh ben, tu ne crois pas, eh ben, tu restes avec ton problème jusqu'à que, à ce shalom, il t'arrive quelque chose. Non. Au moins, lorsqu'on croit, ça soulage. Je crois, j'ai les monades, même que mon problème n'est pas résolu, après, je me dis, bon, j'ai pas eu de chance. Bon, c'est tout. Et point final. Je ne vais pas lâcher mon doute. Et c'est la raison pourquoi la Torah, justement, dans le désert, Hachem, il dit à Moshe, compte-les dans le désert. Je ne comprends pas. Compte les juifs dans le désert. Pourquoi compter les juifs dans le désert? Pourquoi compter les juifs dans le désert? Pour faire quoi? À quoi sert? Il y a cette question-là, je l'ai vu dans un des livres de Torah qui pose cette question. Pourquoi calculer les juifs? Pourquoi les calculer? C'est quoi? Quelle est la raison? Pourquoi on doit savoir le nombre des juifs? Combien il y a des juifs dans le désert? Je ne comprends pas. Bon, je sais très bien, dans un avion, on est obligé de compter, parce que, vous imaginez, il peut y avoir un terroriste, il peut y avoir, je ne sais pas, il peut y avoir quelqu'un qui manque, et on ne peut pas savoir, on est obligé de compter combien, même au niveau business, et, il faut savoir, Air France, où elle a, il veut savoir, la Royal Air Maroc, il veut savoir combien, parce que, selon les passagers, on sait combien d'argent la compagnie, elle gagne. Vous imaginez qu'on va leur dire n'importe quel... Donc il y a toujours ce que les agences, ils ont dit de vendre. Maintenant, on va calculer ce que les agences ont vendu, et c'est le même chiffre qu'il y a dans l'avion. Comme ça, on compare. Donc je comprends. Je comprends très bien, mais je ne comprends pas. Dans le désert, quel est le but de compter les gens? C'est quoi le but? Et c'est quoi le but de ne pas compter les femmes et les enfants? C'est quoi le but? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je veux savoir. Eh bien, justement, là, je vous donne réponse, je vous donne même deux réponses, mais une réponse simple. Une réponse simple pour moi est, la Torah, elle nous donne un calcul combien des Juifs, ils étaient dans le désert. Quelle est la raison pourquoi la Torah, elle veut qu'on écrit dans la Torah combien des Juifs, ils étaient dans le désert? Bon, d'après Rashi dit parce que la Torah est venue nous montrer combien le bon Dieu est il aime les Bnei Israël. Chaque fois lorsqu'on compte quelque chose, ça prouve combien on aime la chose. On ne va pas compter quelqu'un parce que
on n'a rien à faire. Par exemple, lorsqu'on compte l'argent, c'est parce qu'on aime l'argent. Vous savez, les yeux, ils sont gourmands. On compte, on reçoit beaucoup d'argent, on compte, et après, on recompte. Et après, on recompte. Est-ce que les pièces, on les compte? Non, les pièces, on ne les compte pas parce que, surtout les centimes. On ne les compte pas parce qu'ils sont pas, ils ont pas beaucoup de valeur. Pour le pauvre, peut-être oui, pas pour le riche. Mais pour le riche, s'il y a des billets de 500 euros, ah, il va les compter. Ça donne un plaisir de compter, de recompter, parce que les yeux, ils sont appétits, ils ont l'appétit, ils veulent voir encore. C'est pas, on compte deux fois, trois fois, quatre fois, ça veut pas dire qu'on va, ça, les billets vont doubler. Non, c'est personnel. Akadosh Baruch Hu, il aime tellement les bénis Israël, à tel point qu'il les aime. Comme ce pauvre-là, qu'il compte même les petits sous, Akadosh Baruch Hu, il compte tout le monde. Dans la Torah, c'est écrit uniquement le nombre des grands et des hommes. Des hommes, pas des enfants et des femmes. Pourquoi? Ben justement, la Torah, elle veut nous apprendre un enseignement. La Torah, elle veut nous apprendre que ceux qui sont comptés, c'est uniquement ceux qui sont capables de travailler. À partir de 20 ans, on est capable de travailler. Moins de 20 ans, on n'est pas capable de travailler. On n'est pas assez mûr. À partir de 20 ans, on est mûr. Donc c'est ça. Akash Baruchou, il met le point sur ceux qui ont à peu près 20 ans, à partir de 20 ans. Mais Benesim Shana, Damala. C'est-à-dire que c'est très important pour Akash Baruchou qu'à partir de cet âge-là, de 20 ans, tu dois être mûr, tu dois être un homme qui fait le mitzvot, tu aurais le mitzvot. Et justement, bon, les femmes, la Torah ne les calcule pas, les femmes. C'est pas parce que Akash Baruchou ne les considère pas, non. C'est parce que les femmes, eux, ils s'occupent, ils ont un autre travail. Ils ne sont pas obligés d'aller étudier la Torah. De temps en temps, ils peuvent aller écouter un cours de Torah, mais ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de faire la prière. S'ils veulent, ils peuvent. Il y a beaucoup de mitzvot que les femmes, ils ne sont pas obligés de les faire. Les enfants aussi. Jusqu'à un certain âge, ils ne sont pas obligés de faire certains mitzvot. S'ils font, c'est uniquement pour les éduquer. Les éduquer. Donc c'est la raison pourquoi les filles aussi, on ne les calcule pas les filles. C'est pas parce qu'on les aime pas. Sans les filles, on n'est pas là. Il faut qu'on se marie. On a besoin des femmes. Et bien justement, la Torah, elle dit non. Les femmes, elles ont un autre rôle. Les femmes, à quel jour il y a déjà préparé un rôle pour les femmes. S'occuper de leur mari, s'occuper des enfants, l'éducation. C'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, la femme, elle dit, elle veut prendre aussi le rôle de l'homme. Voilà Carotte, elle peut si elle veut. Elle a ma permission si elle veut. Elle peut prendre le rôle d'homme, mais qu'elle n'oublie pas. Qu'elle n'oublie pas son rôle de femme. Qu'elle n'oublie pas parce que c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de problèmes de couple. Parce que la femme, elle veut prendre le rôle de l'homme, elle s'oublie qu'elle est une femme. Et beaucoup de fois aussi, l'homme, il fait pareil. Il veut prendre le rôle de la femme, et il oublie qu'il a le rôle d'un homme. Je me rappelle une fois, j'étais au Maroc, j'étais chez quelqu'un, et chaque fois je voyais que le mari, il rentrait à la cuisine, il discutait avec sa femme. Et à un moment donné, encore il rentre, il discutait avec sa femme, il sort. J'étais chez eux pendant une semaine, et tout le temps je voyais que la femme était tendue. Et chaque fois lorsqu'elle rentrait, lorsqu'elle nous servait, elle était un peu tendue, la peau n'était pas à son aise. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai suivi le mari. Et je voyais que le mari, il criait à sa femme. Oui, mais tu as vu, il manque de la sauce là, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas servi ça, cette viande dans telle assiette? Mais pourquoi ça? Elle lui dit, mais d'accord. À un moment donné, je lui dis, monsieur, viens. Ton rôle, c'est à la salle. Reste à côté de tes invités. Laisse ta femme se débrouiller. Elle sait ce qu'elle fait. Ne fais pas de son travail. Elle sait ce qu'elle fait. Sinon, alors toi tu restes à la cuisine et que ta femme elle va travailler. Alors choisis, ou ça. Non, elle me dit, monsieur Rabin, je veux qu'elle fait mieux. J'y ai fait mieux. Depuis que toi tu essaies de gérer un peu l'affaire de la cuisine, tout est mauvais. Alors laisse ta femme.
Lorsque tu es à côté de moi, tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Mais dès que tu rentres chez elle et tu rentres après, tu t'assois avec nous, c'est pas bon. Alors, s'il te plaît, assieds-toi et tais-toi. Ne mélange pas les choses. Donc, vous voyez, c'est la raison pourquoi la Torah, ici, elle donne c'est où et trois choses à date, ministre, Israël, et Avotan, et Bimisan, Shimot, Kosra, et Gugulotam. La Torah, ici, elle précise, ici, la Torah, que Hachem, il veut que les ministres soient calculés, comptés, mais à partir de 20 ans. Parce qu'à partir de 20 ans, ils sont responsables. Les femmes, on a expliqué pourquoi ils ne sont pas comptés. Leur responsabilité, c'est la maison. Mais les hommes, leur responsabilité, c'est éduquer les enfants, la Torah, les mitzvot, étudier la Torah, faire Torah et mitzvot. Les femmes, on sait ce qu'ils doivent faire. Et c'est la raison pourquoi, justement, la Torah, elle nous crie, elle veut nous montrer que HaKadosh Baruch Hu, il a donné aux hommes l'importance comment gérer le judaïsme. Première chose. Deuxième chose, la Torah elle veut nous apprendre que HaKadosh Baruch Hu, il aime Am Israël. Que HaKadosh Baruch Hu, il aime Am Israël. Il les compte chaque fois. Comme celui qui compte chaque fois son argent. Parce qu'il aime son argent. Et ce qui est le plus important, et ça c'est très important de le savoir, c'est que si vous voyez un peu la paracha, c'est super. La Torah elle écrit comme ça. La Torah elle écrit que Hachem il a parlé à Moshe dans le désert, écoutez bien, à Sinaï, dans la tente. Dans le tabernacle, le premier du mois, le deuxième mois, ça veut dire. C'est Iyar, le deuxième mois, la deuxième année de la sortie de l'Égypte. Combien de détails? Pourquoi la Torah, elle ne dit pas, et Hachem, il a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, et il lui a dit, calcule les Juifs. Non. La Torah est donne plein, pour calculer les Juifs, la Torah est donne plein de détails. Hachem, il a parlé à Moshe, dans le désert du Sinaï, dans le tabernacle, le premier du mois, c'est le premier Iyar, le premier du deuxième mois, la deuxième année de la sortie de l'Égypte. Pourquoi tous ces détails? Que j'ai besoin de savoir tous ces détails? Par exemple, imaginez-vous que on dit sur moi et Rabbi David il est parti de la rue du plateau de la Yeshiva du 19e arrondissement numéro 11 le mercredi 1er janvier 1900, pourquoi tous ces détails? Pourquoi tous ces détails? C'est pas la peine de. La Torah, est-ce que. Vous savez, chaque lettre dans la Torah, ça pèse lourd. Hein? Chaque lettre de la Torah, il y a quelque chose qui nous apprend quelque chose. Alors pourquoi tous ces détails? Eh bien, écoutez très bien. Lorsque quelqu'un, il veut voyager aux États-Unis, il achète un billet. Et dans le billet qu'il y a, la date, le numéro de vol, la compagnie, l'heure, le siège et la destination. Et la date, le jour, la date, le mois et l'année. Alors là aussi je vais poser une question. Pourquoi tout ça? Pourquoi on ne dit pas M. Pinto est parti mercredi de... Non, il faut tout ça. Parce que pour prendre cet avion, parce que un voyage, lorsque tu prends l'avion, c'est important. Pour ne pas se tromper que tu prends un autre avion et tu voyages une autre date ou tu risques de perdre ton billet parce que ou l'année ou le pays peut être périmé. Donc il faut beaucoup, 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 beaucoup de détails. HaKadosh Baruch Hu, il aime tellement l'Ibn Israël,
tellement qu'il les aime que le jour qu'il a commencé à les calculer, à voir combien ils sont, il a fallu tous ces détails-là. Il a fallu tous ces détails. Quand il a décidé de calculer, et quel moment, et où, et quel endroit, quel mois, quelle date, etc., etc., etc. C'était important pour lui. La Torah veut nous apprendre que de la même façon que la Kadosh Baruch Hu, il nous a compté bidiouk avec des détails, et bien comme ça Hachem, il nous surveille, il nous calcule chaque seconde de chaque seconde, chaque minute de chaque minute. Peu n'importe dans quel droit chaque juif il se trouve. Même lorsqu'il y a un décalage horaire ici, et il y a un autre décalage horaire là-bas. C'est pareil. C'est tout calculé chez Akadosh Baruch Hu. Le Hachem, il proclame son amour au béni Israël. Il ne dit pas je les aime. Hachem, il veut dire exactement comment il les aime. Et à partir de quel moment il les aime. Et quand il les aime. Et comment il les aime. Les amis, de la paracha de Emor, la Torah là-bas nous raconte. Il y avait un juif qui s'appelle le fils de Shilomit Bat Dibri. Sa mère était juive, donc lui aussi était juif, mais son père était égyptien. Il n'était pas juif. C'est écrit dans la Torah qu'il avait violé cette femme et elle a eu cet enfant. Bon, cet enfant, c'est un juif. Et cet enfant, il a reçu la Torah. Mais c'est écrit dans la Torah qu'à un moment donné, il s'est disputé avec un autre juif parce qu'il voulait planter sa tente à côté de lui. Ils sont disputés. Et après, ce fils d'Égyptien, qui était aussi fils d'un juif, il s'est énervé. Il a commencé à rigoler sur la Torah. Il a commencé à rigoler et de la rigolade est passé un acte très 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 grave. Il a insulté Dieu. Je vous en prie, écoutez bien. Comment est-ce possible qu'un juif, qu'il a écouté les 10 commandements, qu'il a vu les miracles en Égypte, il a vu, c'était pas un bébé, c'était, il avait peut-être la cinquantaine ce monsieur-là. Comment ce monsieur-là, qui a écouté les 10 commandements, il mangeait la manne dans le désert, et il a vu le Bétamigdash. Comment il est arrivé à se moquer de la Torah, à banaliser la Torah? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de banaliser la Torah? C'est dur à croire, mais ça s'est passé. C'est dur à croire, mais ça fait, c'est comme ça. Et après, il a insulté Dieu. Vous savez, on raconte, le Talmud, il raconte une histoire sur Myriam Bat Bilga. C'était une fille du Kohen Gadol, à l'époque des Grecs, à l'époque des Hashmonaïm, avant le miracle de Hanouka, les Grecs ils gouvernaient Israël. Et lorsque les Grecs ils ont occupé Israël, ils ont arrêté, ils ont cessé les sacrifices qui se faisaient au temple, ils ont commencé à sacrifier les cochons. C'était des Grecs, des Goy, ils ont commencé à sacrifier les cochons. Et finalement, un jour, Myriam Bat Bilga, qu'elle a fait connaissance d'un grec et elle a quitté sa religion juive et est partie avec lui.
Et un jour, elle vient au temple, elle vient au Beth-Amikdash, elle vient vers l'autel du sacrifice, elle donne un coup de pied, elle commence à donner un coup de pied à l'autel du sacrifice, elle a commencé à dire, hey, « Hé, toi, comme des Juifs, ils ont sacrifié des sacrifices sur toi, et voilà, maintenant, ils sont menacés d'assimilation, ils sont ceux qui respectent la Torah, ils ont été massacrés, et toi, où es-tu ?» Elle parle avec qui ? Elle parle avec l'autel du sacrifice, mais au fait, elle parle avec Dieu, parce que l'autel du sacrifice, c'était là-bas où on sacrifiait des sacrifices pour Dieu, c'est-à-dire qu'elle parlait, se disant, elle parle à Dieu. Et toi, Dieu, où tu es ? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de Juifs qui disent, où étais-tu lorsque les Allemands ont tué les Juifs ? C'est vrai, je comprends, j'ai de la peine, vous savez que moi aussi, je suis Juif, moi aussi. Moi aussi, j'ai de la peine, j'étais à Auschwitz, et j'ai vu Auschwitz, j'ai vu ces camps de concentration. Moi-même, ça m'a révolté un peu. Moi-même, j'ai dit, Hachem, comment est-ce possible qu'après, j'ai dit, David, tais-toi. C'est ça le prix d'être juif. Le prix d'être juif, c'est le sacrifice. Si tu dis tu aimes Dieu, alors il faut aimer Dieu pas avec, lorsque tout va bien. Il faut aimer Dieu lorsque c'est pas facile. On apprend ça de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, alav shalom, quand je lui dis Abraham, tu prends ton fils, tu le sacrifies. Abraham, il aurait pu dire à Dieu, attends, ça va pas, qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes quelque chose? Et si j'ai sacrifié mon fils, d'où le peuple juif va sortir? Mais il n'a pas posé de question. Il a fait ce qu'Hachem lui a dit de faire. Un juif, il ne pose pas de question, c'est tout. Lorsqu'on prend une vache pour l'égorger dans l'abattoir, est-ce la vache, il dit, attendez-moi que je me repose, je fais une sieste? Non. Est-ce qu'il dit, je t'en prie, attendez jusqu'à demain? Non. Elle se laisse faire, elle se laisse aller, on la prend, ça y est. Jusqu'à l'endroit où elle est abattue, c'est ça. Où elle est égorgée, c'est ça. Donc, cette femme-là, Myriam Bat Vilga, elle a commencé à respecter, oui, Hachem, où tu étais, lorsque tout l'argent qu'ils t'ont donné, les sacrifices qu'ils t'ont fait, maintenant voilà où tu es. Alors, tout ça, c'est bidon. Je vous dis quelque chose. Il dit Havit Haïm. Comment est-ce possible que cette fille-là, qui a été la fille du Kohen Gadol, comment est-ce possible, elle, que son père, toute sa famille travaille dans le temple de Beth-Amikdash, est arrivée à parler comme ça à Dieu? Et qu'est-ce qu'il dit Havit Haïm? Cette femme-là, c'est la fille du Kohen Gadol. C'est une juive. Mais si elle parle comme ça, c'est qu'elle n'était pas convaincue. Elle n'a pas reçu une éducation convaincue. Et ses parents n'ont pas convaincu dans la religion. Parce que lorsqu'on éduque nos enfants, il faut les convaincre. On ne peut pas forcer les enfants. Fais ça. On ne peut pas. Il faut aller doucement avec eux. Il faut éduquer les enfants selon, avec un bon rythme, avec sagesse. C'est pas avec ça, avec les coups, tu vas les rendre des bons juifs. Non. Tu peux pas, c'est pas possible. Parce qu'un enfant, de plus que tu le pousses à faire, tu l'agresses, il devient contre toi. Il se révolte à la fin. Il faut, depuis le départ, il faut. Quand il y a quelqu'un qui fait mes Shabbats, il est à la plage avec toute sa famille, et un jour il fait teshuva. Son père il est mort, il fait teshuva. Et après, il commence à mener la terreur à la maison, pourquoi il allume la télévision Shabbat. Ils ont dit, écoute-moi, toi, jusqu'à maintenant, tu faisais comme ça. Toi, tu as fait tes chevaux, nous, toi, maintenant, tu es convaincu. Moi, nous, on n'est pas convaincu. Il fallait nous éduquer depuis qu'on était jeunes, mais toi, c'est pas possible. Il a commencé à se disputer avec eux, ils l'ont tout quitté, ils sont tous mariés avec des goïs. Voilà, et lui, aujourd'hui, il pleure, c'est ta faute. Donc, l'éducation, si le Kohen Gadol de l'époque, s'il avait éduqué une bonne éducation à sa fille Myriam, ben Myriam n'aurait pas parlé comme ça. 100%. Il faisait simplement qu'il était un grand tzaddik, mais il n'était pas un tzaddik. Il s'est peut-être critiqué les gens, il parlait de la chonara chez lui à la maison, il était bien avec tout le monde dehors, mais chez lui il se comportait d'une autre manière. Il y a beaucoup de gens qui se comportent, ouais, les gens comme des tzaddikim, mais à la maison ils sont. Regardez-moi tout, je suis un rabbin, mais il faut que je suis comme ça à la maison.
Mais si devant vous je suis bien et à la maison je suis un autre, je prends mon chapeau, je prends mon équipage, je jette et j'enlève ma chemise et. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre mes enfants? Vous voyez, celui-là, c'est deux visages. Monsieur le rabbin des deux visages. Qu'est-ce qu'il va apprendre de moi? Et si demain je leur dis il faut faire ceci, cela dans la Torah, ils vont pas me croire. Parce qu'ils vont me dire, papa, qu'est-ce que tu es en train de nous apprendre? Toi-même, tu n'es pas convaincu. Qu'est-ce que tu es en train de nous. Donc, répondez, oui, c'est ça. C'est Meyer, mais c'est les gars, si elle parle comme ça, c'est que il y a un problème. Bon, d'après ça, je comprends. Ce juif-là, qui est le fils d'une juive et le fils d'un égyptien, s'il est arrivé à banaliser la Torah et à insulter Dieu, c'est parce qu'il n'a pas reçu une bonne éducation, il n'a pas écouté des bonnes choses chez lui à la maison, sur Dieu, sur la Torah. Sinon, et c'est pas possible qu'il parle comme ça. Mais ce qui est important, extraordinaire, c'est dans cette paracha de Emor, la Torah, elle nous parle des Kohanim. Au départ, elle nous parle des Kohanim. Il faut qu'ils. La façon qu'ils doivent se. Être purs, de ne pas être impurs, de ne pas qu'ils touchent les morts. Un Kohen, c'est un Kohen. Un Kohen, il n'a pas le droit de toucher les morts. Un Kohen n'a pas le droit de marier une divorcée. Un Kohen. Il doit se marier avec une veuve ou une vierge. Pourquoi? Parce qu'un Kohen, c'est important. Un Kohen, c'est la perfection. Un Kohen, c'est de lui qu'on apprend. Le Kohanim, il y a le Kohen, après le Lévi, après l'Israël. Parce que, d'ailleurs, même dans la paracha de cette semaine, Hachem, il a dit à Moshe Rabbein de calculer, de compter tous les juifs, sauf la tribu de Lévi. Et la tribu des Kohanim. Eux, ils ont été calculés seuls. Parce qu'eux, ils sont importants, eux. Vous comprenez, mes enfants? En même temps, on comprend très bien que combien c'est important le juif, combien le juif, c'est important pour lui d'apprendre des Kohanim, comme le service d'Hachem. Dans la paracha de Emor, elle nous parle des Kohanim, combien ils doivent se comporter avec le bon Dieu. Et après, la Torah, elle nous parle du respect du Shabbat. Et après, la Torah nous parle du respect des fêtes. Eh oui! Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, le fait de faire tout le temps le Shabbat, après on s'habitue. Après, on a un peu ras-le-bol. Alors, Hachem nous a donné des fêtes. Des fêtes qu'on peut aussi cuisiner. Parce que le Shabbat, on ne peut pas cuisiner. Mais pendant les fêtes, on peut cuisiner. Allumer d'un feu à l'autre. Donc, tout cela pour. La fête, Shabbat, c'est pour nous approcher de la Kadosh Baruch Hu. Une fois, j'ai dit, pourquoi Hachem ne nous a pas donné ce mitzvah? Pourquoi plein de mitzvot? Parce que si on fait toujours la même mitzvah, après on se dégoûte. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de mitzvot, une mitzvah est différente de l'autre, etc., etc. Donc, on n'a pas l'habitude de s'habituer à une mitzvah et pour dire, j'ai ras-le-bol de cette mitzvah. Parce que toujours, une mitzvah, c'est elle est nouvelle. Et même si après, je vais faire une mitzvah que j'ai déjà fait l'année dernière, déjà l'année est passée, comme Kippour, c'est une fois dans l'année. Comme Pessah, une fois dans l'année. Sukkot, une fois dans l'année. Mais Shabbat, c'est chaque semaine. C'est chaque semaine. Bon, il y a toujours un espace de 6 jours qui passe. Entre-temps, on oublie l'habitude du Shabbat passé. Mais Akash Kouj nous a donné beaucoup des fêtes. Et aussi, Akash Kouj nous a donné, par exemple, savoir ne pas être attaché à l'argent tout le temps. Donc, il y a la Shimita. On travaille nos terres pendant 6 ans. Après la 7e année, on se repose. On ne la travaille pas. Donc, quelque part, pour se déconnecter du business et aller à l'échiva étudier. Et aussi, à Botaï, le Ktsira Omer. Avant de. Lorsqu'on commence à commencer la récolte. La première école qu'on apprend pour Akadosh Baruch Hu, Bet HaMikdash. Donc tout ça, c'est. Donc ça veut dire que pour arriver à être attaché à Dieu et attaché à Akadosh Baruch Hu, il faut toujours des mitzvot. Il y a toujours. Être attaché toujours avec les mitzvot. C'est-à-dire toujours faire quelque chose de nouveau. Et chaque matin qu'on se lève, c'est comme un nouveau jour, comme si on a reçu la Torah de nouveau. Donc ça. C'est, vous voyez, la Torah, elle commence par la pureté. Des morts, c'est-à-dire, il ne faut pas toucher les morts, un Kohen, il ne faut pas qu'il touche les morts pour qu'il reste pur, et pour qu'il reste pur, il faut. Il n'y a pas que cette mitzvah seule qui va le rendre pur. Il faut qu'il fait Shabbat, il faut qu'il fait ceci, il faut qu'il fait les fêtes, il faut qu'il ait l'émouna en Dieu. Et c'est ça qui va toucher l'homme à Dieu.
Le fait qu'il y a toujours des mitzvot différentes les uns des autres, alors on trouve toujours du nouveau dans chaque mitzvah. Alors, ça nous fait attacher à Dieu. Et c'est la raison. Mais lorsque on banalise les choses, on dit, eh, ça c'est rien, allez, ça c'est rien, allez, ça suffit, ça c'est du pantalon. Ça c'est à l'époque qu'on faisait ça, pas maintenant. Pourquoi à l'époque? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi on dit, c'était à l'époque qu'on mangeait, mais on ne mange plus? Mais si tu ne manges plus, regarde la boucle, tu crèves. Alors, toujours c'est toujours. Alors, il n'y a pas, c'était avant, il n'y a pas. La Torah, de la même façon qu'on a reçu la Torah il y a quelques milliers d'années, cette même Torah, elle est restée. Cette Torah n'a pas changé. Donc, lorsqu'on ne fait pas attention, on banalise les choses, ça, ça y est, et ça, ça y est, allez, Shabbat, et Shabbat, et Shabbat, pourquoi on ne prend pas l'ascenseur, pourquoi on ne peut pas allumer la lumière, pourquoi on ne va pas mettre la minuterie à la télévision, et ça y est, tout ça, allez, ça suffit. Lorsqu'on banalise les choses, à la fin, qu'ils sont faits, on insulte Dieu. Lorsqu'on banalise les mitzvot, à la fin, on arrive à insulter Dieu. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle parle de cet Égyptien qui a insulté Dieu, après que la Torah elle nous a parlé de tout cela. C'est-à-dire que le seul moyen pour ne pas banaliser la Torah et ne pas arriver à Hashvi Shalom, à dire Hashem, Hashvi Shalom, banaliser. Vous savez que avec si on dit, il y a deux façons comment on peut insulter Dieu. Lorsqu'on l'insulte, ou bien lorsqu'on dit ça sert à rien, allez, pourquoi il faut faire ça? Ça s'appelle insulter Dieu. Vous avez compris? C'est la raison pourquoi la Torah elle nous parle de tout cela. La Torah elle nous parle que lorsqu'on ne fait pas cela, c'est grave. Et lorsqu'on s'attache, lorsqu'on fait tout pour rester pur, on fait le Shabbat, on fait les fêtes, on fait les mitzvot, alors on fait attention aux mitzvot, alors toujours on bénit Dieu. Baruch atah Hashem, toujours le nom de Dieu, il est béni chez nous, il est béni. Je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'il y a deux semaines, j'étais quelque part il y a deux semaines, je suis parti à un enterrement, au 16e. J'étais à une clinique, et j'étais voir ce monsieur Yahya Tozman, alav shalom, et lorsque j'étais de retour, de loin je voyais la tour Eiffel. Et je voyais un monde fou dans la tour Eiffel. Tout le monde qui prenait des photos. Et je me suis posé une question. Est-ce que les gens, les immeubles, les locataires qui habitent dans les immeubles qui sont autour de la tour Eiffel, est-ce que chaque seconde ils rentrent et ils prennent des photos à la tour Eiffel? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. Et qui prend les photos à la tour Eiffel? Les touristes. Dès qu'ils arrivent, les touristes, waouh! Ils voient la tour Eiffel, waouh! Ils appellent mademoiselle, pareil, comme ça ils disent ici en France, ils appellent la tour Eiffel mademoiselle, je ne sais pas pourquoi, on ne l'appelle pas monsieur, je ne sais pas pourquoi. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être parce qu'elle a une forme d'une femme, et pourquoi pas la forme d'un homme, gros, je ne comprends pas. Bon, ça c'est parce que toujours, ils pensent la France, c'est les femmes, toujours on pense aux femmes, c'est tout. Toujours la discussion de ceux qui étudient la paratora, ils vont parler que des femmes, toujours c'est des femmes. Je me rappelle une fois dans un avion, il y avait un monsieur qui regardait une femme. Et chaque femme, chaque fois qu'elle remarquait qu'il la regardait, elle s'arrangeait encore. Et je commençais à rigoler tout seul. Imaginez-vous que cet homme-là, il regarde un autre homme. Qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Mais la femme, ça lui plaît. Elle veut qu'on la voie. Mais dans la Torah, justement, la Torah, elle ne veut pas qu'on regarde trop la femme. On ne veut pas trop pour ne pas avoir de mauvaises pensées. C'est pas que la Torah, elle veut nous priver de voir la beauté d'une femme, non. Tu peux trouver la beauté d'une autre femme, si tu veux. La Torah, elle s'appelle une femme. Comme il y avait un rabbin qui a dit, moi j'ai deux femmes. Alors, tout le monde était choqué.
Quoi, tu as deux femmes? Oui, j'ai deux femmes. Comment tu as deux femmes? Ben oui, j'ai deux femmes. Comment? Et la première, c'est la Torah. Et la deuxième, c'est ma femme. Et toujours, la première femme, je l'ai plus que la deuxième. Et ma deuxième femme, elle le sait. Et toujours, elle me dit, non, David, pourquoi tu ne vas pas faire ta première femme? Qui est la Torah? Ah, mais non, mes amis, imaginez-vous, les locataires, est-ce que chaque fois, ils sortent au balcon prendre la photo de la Tour Eiffel? Non, pas si souvent. Ils la voient tout le temps, je crois même qu'ils ont marre de la voir. Mais imaginez-vous mettre un touriste, un invité qui vient, et qui est invité chez un des locataires, que son immeuble est en face de la Tour Eiffel. La première chose qu'il va lui dire, viens, je vais te montrer quelque chose de beau. Il va ouvrir le balcon, il va dire, regardez. L'invité, dès qu'il va voir la Tour Eiffel en face de lui, il va dire, waouh! Le propriétaire, qui se fait faire? Rien. Parce qu'il est habitué. Mes amis, sache que Hachim ne veut pas, qu'on arrive comme ces messieurs qui habitent en face de la Tour Eiffel, qui s'habituent à voir la Tour Eiffel. Quand je vois, il veut qu'on voit toujours dans la Torah comme quelque chose de nouveau. Pas quelque chose qu'elle est là tout le temps. Parce que quelque chose, par exemple, quelqu'un qui mange des truffes et le veau et l'agneau chaque seconde, il a marre. Mais qui voit qu'on lui donne un bon pavé une fois de temps en temps, il va la manger avec appétit. Mais qu'on lui donne un pavé matin, un pavé l'après-midi et un pavé le soir avec des trucs, il va se dégoûter. De même à la Torah, on l'étudie chaque seconde, on va se dégoûter. Alors c'est pour ça que quand je crois qu'on nous a donné beaucoup de mitzvot, les unes sont différentes des autres. Pourquoi on ne se dégoûte pas? Parce que chaque mitzvah est différente de l'autre. Chaque mitzvah elle est différente de l'autre. Et c'est pour cela, à Kadosh Baruch Hu, il veut nous a fait le Shabbat, et pour ne pas qu'on s'habitue avec les. C'est pour ça qu'il nous a donné les jours de la semaine, et pour ne pas qu'on s'habitue avec les jours de la semaine, il nous a donné un Shabbat, un jour qui est différent des jours de la semaine. Qui est là-bas d'autres prières, d'autres choses à faire. Et pour ne pas qu'on s'habitue tout le temps au Shabbat, il nous a donné des fêtes. Que ces fêtes-là, on peut manger, on ne travaille pas, mais on peut cuisiner. Donc c'est un changement. Et les mitzvot. Lorsqu'on se comporte de cette manière-là, on apprécie la Torah et on apprécie Dieu. Mais si, Hashu Shalom, on ne suit pas les règles de la Torah, quand que dans la pureté, on finira par Hashu Shalom, banaliser la Torah et arriver à insulter le nom de Dieu. Et c'est ça la rabotaille, ce que je pense. C'est ça la rabotaille, ce que Hachem il veut de nous. Même David HaMelech il dit, une seule chose je demande de toi Hachem, s'il te plaît Hachem, aide-moi à ne pas s'habituer à toi. Aide-moi à ce que chaque fois que je viens vers toi, ce soit comme la première fois que je viens vers toi. Et non pas la deuxième fois, pour ne pas que je m'habitue avec toi. Je vais te sentir toujours nouveau chez moi. Maintenant vous comprenez, lorsqu'on se comporte de cette manière-là, alors que Dieu nous aime, il nous calcule chaque fois, il nous compte. Pour que Hachem, il nous surveille, il nous compte, il déclare son amour à nous, avec les dates, et les heures, et les mois, etc., etc. Mais comment lorsque nous aussi on lui déclare notre amour. Mais si Hashu Shalom, on rentre à Kadosh Baruch Hu, qu'on s'en fout de lui, alors Kadosh Baruch Hu aussi, il fera la même. Il fera pareil avec nous. Vous savez, Rabotai, je termine avec ça. Ça vous fait la paix ce que je vais vous raconter. C'est écrit que Titus, lorsqu'il est rentré au temple, avant de détruire, il a pris son épée et l'a déchiré. Le rideau qui séparait le temple et le Saint des Saints, il a vu le sang qui coulait. Il a cru qu'il a tué Dieu. Hachem, il a voulu croire qu'il a gagné. Il a crié, hurrah, j'ai gagné, j'ai tué. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Sefer Torah, il l'a déchiré, il a porté une femme juive, et il l'a violée. Sur le Sefer Torah. C'est choquant ce que je vous dis. Hein. C'est choquant, hein. Ça choque.
Ça choque, hein? Violer. Vous savez, permettez-moi de vous dire, ne vous choquez pas. Parce que nous aussi, c'est ce qu'on fait. Lorsque on viole, lorsqu'on transgresse, on transgresse une mitzvah, une loi de la Torah, c'est comme si on a violé le Sefer Torah. Comme si on a déchiré le Sefer Torah. Si la Torah te dit ne fais pas ça, et toi tu fais le contraire, ça ne s'appelle pas violer la Torah. On compare la Torah à une femme. Lorsqu'on fait la Torah, c'est-à-dire qu'on est marié avec la Torah. Mais lorsqu'on transgresse les mitzvot de la Torah, comme si on viole les mitzvot de la Torah. C'est grave ce que je dis, mais c'est ça. C'est les choses qui sont claires. Mais lorsque, et à Kachbori, il calcule, comme c'est écrit dans Pekavot, et tout ce que tu fais, c'est écrit dans les livres. Tout ce que tu fais, la faute, la date, l'heure, la minute, la seconde, l'endroit, tout ce que vous voulez, c'est écrit dans le livre. Et les conséquences de cette faute-là, si tu as fait une faute, et cette faute, elle a fait des conséquences, parce que d'autres, ils ont vu ce que tu as fait ou ils se font pareil, alors c'est toi qui encaisses leur faute. Et si d'autres, ils font, c'est toi qui encaisses. Et s'il y a 1000 qui font la faute, eh bien, c'est toi qui encaisses les 1000 fautes que tu as. C'est toi la source. Donc, mes amis, c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle a été donnée dans le désert. Elle s'appelle Bamidbar, le désert. Et pourquoi la Torah, elle appelle ça, cette Sidra, le désert, et quand je vais la parler à Moshe dans le désert, pourquoi on ne sait pas que Moshe l'a parlé dans le... que Hachem l'a parlé à Moshe dans le désert. Pourquoi la Torah, elle nous dit dans le désert? Ben, les Hachamim lui disent, pourquoi la Torah, elle a écrit le mot désert? Pour te dire que, comme que le désert, il n'a pas de patron, le désert, c'est, il est inhabitable. Le désert, il est abandonné. Il n'y a pas de péage dans le désert. Le désert, c'est un désert. Personne n'habite là-bas. En plus, personne ne va là-bas parce que c'est invivable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de commodité. Il n'y a rien du tout dans le désert. Personne n'approche le désert. Eh bien, justement, la Torah, elle veut que chacun, chaque homme, il faut qui se comporte comme un désert. Il faut qu'un homme dise, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est... Il faut que l'homme, il abandonne son corps pour le service de la Kadosh Baruch Hu. Et si tu abandonnes ton corps pour le service de la Kadosh Baruch Hu, tu as réussi. Donc, c'est ça. Chacun de nous doit savoir combien il est aimé par Dieu. Et tout cela compte lorsque l'homme, il montre lui aussi qu'il aime la Kadosh Baruch Hu. Et comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a des règles. Tout d'abord, faire attention ce qui est pur, ce qui est impur. Déjà le matin, dès que vous vous levez le matin, il faut se laver les mains avec un verre, avec un kili. Vous prenez un ustensile et vous versez de la main droite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hommes et femmes et enfants, même les bébés. Lorsqu'on leur lave les mains, leur main, il est pur. C'est la pureté. Parce que toute la pureté qui se colle dans les mains pendant que l'homme dort, la personne dort, a disparu le matin avec l'eau. Donc déjà, on commence la journée dans la pureté. Et si tu commences la journée dans la pureté, alors tu vas faire attention aux autres choses. Mais si tu commences ta journée dans l'impureté, ben, tu finiras mal à la fin. Il y avait quelqu'un qui m'a dit... Il est rentré, il s'est assis devant moi, il me dit, mais pourquoi le bon Dieu m'a fait ceci, cela? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je lui dis, tu fais Shabbat? Il me dit, oui. Et finalement, à la fin, j'ai vu qu'il fait tout. Alors je lui dis, mais donc, qu'est-ce que tu veux? Et elle a dit, c'est vrai, tu étudies la Torah, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi le bon Dieu me fait ça? Je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il te l'a fait. Qu'est-ce que tu veux? Très bien, tu as perdu ton travail, tu as des dettes, tu n'as pas de travail. Très bien, alors, qu'est-ce que tu veux? Quoi?
tu étais un bon juif uniquement pour que tant que le bon Dieu te donne, et mettons qu'il ne te donne plus, mettons qu'il a arrêté le contrat avec toi, ça y est, tu veux le nier, qu'est-ce que tu veux? Il me regarde, il me dit, non, je ne veux rien de plus, je m'excuse. Il dit, fais attention, parfois, tu peux perdre tout le bénéfice de toute une vie, tout ce que tu avais, toute ta vie, avec une discussion banale comme ça. Lorsque tu dis, pourquoi le bon Dieu me fait cela? Toi, tu sais bien que tu as regretté après. Alors fais attention à ce qui sort de ta bouche. Mais malheureusement, il y a des gens qui font plus pire que ça. Comme quelqu'un qui m'a dit cette semaine, « Ah, moi, je suis athée. » Vous savez, il m'a dit. Il m'a dit, « Moi, je suis athée. » Il vient, il s'assoit devant moi, et ça lui dit, « Moi, je suis athée. » Je lui dis, « Tu es super. » Je lui dis, « Tu es super. » Au moins, tu dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Parce que la Torah, il veut qu'on dise la vérité. Donc, quelque part, tu es athée, mais tu crois à de la Torah. Parce que la Torah, il dit que celui qui dit la vérité, il est super. Donc, tu es super. Il me dit, avant, la Torah, il dit ça? Je dis, oui. Mais il dit, c'est bien ça. Je voudrais bien faire la connaissance de la Torah, tu vois. C'est extraordinaire. Il vient, il dit, je suis athée. Au fond de lui, il croit. C'est l'orgueil, je suis athée, ça marque. Il croit que je lui ai donné une médaille parce qu'il m'a dit, je suis athée. Et à la fin, voilà, je l'ai eu. Et après, il est parti, on va y aller, il étudie une heure. Il va y aller une heure par semaine à étudier. Au départ, il est venu, il a cru, je suis athée. Mes amis, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous protège, et que le bon Dieu vous donne la santé, et que Hachem nous protège de cette grippe porcine, que Hachem fasse que. Qu'elle soit éliminée, qu'on n'en parle plus, qu'elle est. Et chaque cours, vous voyez que je fais une prière. Vous aussi, n'oubliez pas de vos prières. Priez, faites attention à vous. Lavez-vous les mains à chaque fois que vous êtes en contact avec n'importe qui. Si vous savez que vos mains sont sales, vous avez touché des gens et tout ça, ne prenez pas le risque pour vous-même, votre famille et les autres. Que Dieu vous protège et à bientôt.